ISR, investissement socialement responsable, c'est la manière de placer son argent en accord avec ses valeurs. L'environnement, le social, la gouvernance des entreprises, comment je souhaiterais qu'elle soit. Et si j'ai cette idée-là, je dois la retrouver dans mon portefeuille, dans mon livret, de manière à ce que mes économies soient en cohérence avec mes valeurs personnelles. Les produits aujourd'hui qui contiennent de l'ISR, ce sont tous les produits. C'est vraiment la démocratisation qui est en train de se mettre en place. On va trouver les produits qu'on côtoie lors d'une première relation bancaire, un livret bancaire, une carte bancaire. Et plus loin dans la relation, on va avoir également des fonds communs de placement, des SICAV, on va avoir également de l'assurance vie. En fait, tous les supports aujourd'hui peuvent servir pour l'investissement socialement responsable. L'ISR, il y a deux fonctionnements basiques. L'investissement et le partage. L'investissement, c'est la manière dont je souhaite que mon argent, mes dépôts, soient investis dans des projets qui supportent l'environnement ou des causes sociales. Et le partage, eh bien, c'est avec les intérêts annuels de mon livret, avec les transactions que je vais faire avec ma carte, c'est que ça déclenche de l'argent qui soit versé ensuite à une association, une fondation. J'en aurais deux de conseils. Sur la performance, il faut être intransigeant. Si vous êtes sur un placement action, vous devez avoir une rentabilité qui est proche des actions. Ça ne doit pas être une excuse pour effectivement obtenir des rendements différents, sous-performants par rapport aux indices. Deuxième conseil, l'engagement, la sincérité. Vous achetez ces produits pour une vision que vous avez du monde qui nous entoure, de l'environnement, du social. Vous devez retrouver cet engagement dans le produit. Donc demandez des rapports de gestion de manière à suivre dans la durée la manière dont le placement est investi et s'il reste conforme aux valeurs que vous aviez en tête au moment de l'acheter.